fille du regretté Johnny Hallyday, mort en décembre 2017, Jade et Joy Hallyday ont récemment célébré leurs anniversaires respectifs en même temps. Désormais âgées de 20 et 16 ans, les deux filles de Laetitia Hallyday sont toutes les deux, nées entre la fin du mois du juillet et le début du mois d'août. Par conséquent, elles ont pris l'habitude d'avoir une fête d'anniversaire commune. Ce fut notamment le cas l'année dernière, où leur mère avait organisé une réception chez elle. Celle-ci avait pour thème le film Barbie, qui cartonnait alors au cinéma. Et cette année encore, Laetitia Hallyday a de nouveau organisé une fête dans sa villa de Saint-Barth, pour célébrer les anniversaires de ses deux filles chéries. Cette fois-ci, la réception avait pour thème le monde du western et des cow-boys. Selon nos informations, Laetitia Hallyday a prêté des chapeaux de cow-boy à plein d'invités, venus célébrer l'anniversaire de Joy et Jade Hallyday, ce samedi 3 août 2024. Les deux jeunes filles ont d'ailleurs fait venir leurs meilleurs amis de Los Angeles. Jade Hallyday avait notamment convié 4 personnes, dont son ami Dino, le fils de Sandra Sisley. De son côté, Joy avait invité 3 personnes, parmi lesquelles on retrouve notamment son amie Romy, une des filles de Calogero et d'Hortense. Pour sa part, Laetitia Hallyday a accueilli ses amis de toujours, comme Liliane Joshua et Oda Roche, Marie Poniatowski et son mari Pierre Rambaldi chez elle à Saint-Barth, pour célébrer cet événement. La veuve de Johnny Hallyday était vêtue pour l'occasion d'une combinaison en jean, comme le montrent certaines photos publiées en story sur Instagram. Et durant cette soirée, Jade et Joy Hallyday ont également eu le droit à un magnifique gâteau d'anniversaire, particulièrement imposant. Là encore, plusieurs clichés des lieux ont été relayés par les invités sur les réseaux sociaux. Avant de célébrer leurs anniversaires en compagnie de leurs amis durant cette soirée, Jade et Joy Hallyday ont d'abord soufflé quelques bougies en maillot de bain durant la journée. Pour mémoire, cela fait déjà 2 semaines que Laetitia Hallyday et ses deux filles ont rejoint cette île, où elles passent la majorité de leurs vacances d'été, depuis maintenant de nombreuses années. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine.